le temps de t'occuper de ton jardin que de ton mari. Mais mon jardin est toujours là, chérie. Toi, tu es toujours partie. Si je m'écoutais, je passerais tout mon temps avec toi. Mais alors, tu n'aurais bientôt plus de jardin. Parce que les affaires ne seraient pas toutes seules. Oh, c'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux. Ni du jardin, ni de personne d'autre, d'ailleurs. Parce que c'est toi que j'aime. Toi, tout seul. Tu es heureuse ici? Tu sais, pour une fille née à Fécamp élevée au Havre, un jardin pareil près de Bastia, c'est le paradis terrestre. Oh, mais monsieur Thierry, vous allez être en retard. Vos affaires vont péricliter, vos amis diront encore que vous n'auriez jamais dû épouser une femme du continent. Ben, je ne conseille à personne de dire une ânerie pareille devant moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je dois passer chez Antoinette, c'est son jour de congé, on ira faire une balade ensemble. Et toi, quand rentres-tu? Oh, certainement pas de bonne heure. Mon frère et Agostini doivent sortir un chalutier de l'eau. Je dois passer voir ce qu'il y a à faire dessus. Mm-hmm. Ensuite, j'ai un client américain en panne de moteur à Calvi, avec un yacht de 30 mètres. Et comme tu es le Saint-Bernard de l'Américain en détresse, très bien, je t'attendrai seul dans mon jardin. Mm. Bonne journée, mon chéri. Voilà. Mais non, pas longtemps. Je passe une robe et j'arrive. Attends. Écoute, enfin dis donc, pour remplacer une avec toi, il faut vraiment insister, hein. Mais écoute, si ça t'ennuie d'aller faire un tour, on peut essayer de voir un film. D'accord? À tout de suite. Antoinette? Tu penses, on avait décidé de faire une balade ensemble. Au dernier moment, elle se demande si on serait pas mis au cinéma. Tu avais oublié quelque chose, chérie? Oui, j'avais plus de cigarettes. Ah bon? Au revoir. Salut Nicolas. Alors, on te les met au sec? Oui, il a été assez à l'humidité pour cette année. Qu'est-ce qu'il a signalé? On a eu des vibrations en temps de la dernière sortie. L'hélice a dû toucher quelque chose.
Et puis j'ai peur que le moteur soit un peu fatigué. Il m'a semblé qu'il manquait d'énergie à la fin de la saison. Après lui, des vacances à la montagne. C'est ça. Bon, tu notes vérifier arbre, hélice et gouvernail. Côté moteur, on prendra les compressions tout de suite. Hein. Suffira sans doute d'un rodage de soupape. Ah, sinon, c'est les chemises et les saignements. Alors là, faut arracher l'engin et l'emporter à la clinique du docteur Touarelli. Oh, tu veux me mettre sur la paille? Je prévois toujours le pire. C'est pour éviter les mauvaises surprises aux clients. Pascal, viens une seconde. Ouais. Tu as mauvaise mine, petit. Moi? Oui. Ce matin, je suis passé ici à 9h30, tu n'étais pas encore arrivé. Écoute, t'as qu'à mettre une horloge à l'entrée du chantier, ce sera plus commode, hein. Écoute, Pascal, je suis ton frère aîné, mais je suis aussi ton patron. C'est parce que tu fabriques de tes nuits et je veux pas le savoir. Seulement, je peux pas te payer à rien faire. Tu es parfaitement capable de diriger le chantier. Seulement, si tu refuses, je serai obligé de monter à Camping. Pour avertir le père que je peux plus te garder avec moi. Bon, écoute, pas la peine de prendre les choses au tragique, hein. J'essaierai de me lever plus tôt demain matin. La meilleure façon d'y arriver, c'est de te coucher de bonne heure ce soir. Tiens, Michel et sa coiffeuse. On voit que c'est lundi, les commerçants se baladent. Elle n'a pas de complexe, la môme Antoinette, hein? Qu'est-ce que t'as? Rien. Bah, tu vois pas la tête que tu fais, non? Bon, pour le bateau, tu as compris, hein? Tu vérifies en même temps l'état de la coque, bien sûr. Hein. Je passerai en fin d'après-midi voir où vous en êtes. Tout à l'heure. Rentrer, chérie? Oui. Quelle bonne surprise. En fin de compte, j'ai envoyé Franceschi à ma place à Calvi. Après tout, il faut que ça serve de temps en temps d'être le patron. S'il fait si beau, j'avais envie de rentrer. Oui, je te comprends. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en fin de compte? Oh, ben, comme prévu, tu sais, j'ai retrouvé Antoinette, puis on a été au cinéma.